Stop, mon frère, ma soeur, si cette année-là, tu souhaites faire ta première déclaration d'impôt sur le revenu, là, écoute cette vidéo. Elle est d'une importance capitale. Si tu as rempli ce formulaire-là, le formulaire 2042, et avant d'aller déposer aux impôts, mon frère, ma soeur, il faut faire la photocopie. Il faut faire la photocopie. Je vais te dire pourquoi tu dois faire la photocopie. En faisant la photocopie, quand tu vas remplir ce formulaire, j'ai fait une vidéo comment la remplir. Tu arrives au niveau de l'accueil des impôts. Tu demandes aux agents des impôts de mettre le tampon sur les documents, sur la photocopie de ce formulaire, mon frère, ma soeur. C'est très important pour faciliter tes demandes, tes procédures administratives que tu vas engager d'ici peu. Pour renouveler souvent ton kaolo là, pour renouveler ton gwes là, on te demande ton avis d'imposition ou de non-imposition. Pour certains dossiers là, on te demande ce formulaire-là. On te demande ton avis d'imposition. Si tu veux faire l'AME là, le plus souvent pour justifier tes revenus, tu peux fournir ton avis de non-imposition. Donc, il est important que tu fasses la photocopie. C'est même conseillé. Même les agents aux impôts, au centre des finances publiques, te conseillent de faire la photocopie. Et on te met le tampon sur toutes les pages. Toutes les pages. Ça va te faciliter la tâche, frère, ma soeur. Quand on va te demander ton avis d'imposition ou de non-imposition, tu présentes cette photocopie. Ce qui fait foi, le tampon des impôts fait foi. Parce que tout est déjà rempli. Ce que tu gagnes ou ce que tu ne gagnes pas. Si tu ne gagnes pas, si c'est zéro, ils verront là-bas que toi, tu ne gagnes pas encore. Parce qu'ils savent que quand on dépose en avril, l'avis d'imposition va nous être transmis à partir de septembre, août ou septembre. Donc, ça prend du temps. Mais vous pouvez déjà avancer dans vos dossiers avec la photocopie tamponnée. C'est très important, mon frère. Cette vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage-la massivement. Partage-la massivement parce qu'il y a des gens qui sont bloqués pour leur premier titre de séjour parce qu'ils n'ont pas l'avis d'imposition, pour le renouvellement ou bien pour certains, il y a autant de dossiers, de documents, de procédures qu'on engage ici. Vous êtes souvent bloqué parce que vous n'avez pas encore obtenu votre avis d'imposition ou de non-imposition. À bon entendeur, salut. Partagez cette vidéo massivement pour sensibiliser les gens. Voilà. Merci.